Nouveau vlog qui commence. Et ça commence par la fin des 30 minutes de cardio à jeun. Voilà. Je vais vous filmer toute la journée. Aujourd'hui, on est à 14 jours de mon passage sur scène. Et du coup, recharge. Je suis à 101 kg, mais là, on a besoin de recharger parce que je descends vite le poids. Le but, c'est que je reste bien plein, surtout au niveau des cuisses. Donc je vais vous filmer tout ça, ça va être une grosse journée de recharge. Bon, j'ai pas filmé mon petit déj parce que j'ai zappé, j'avais tellement la dalle franchement. Pouh. Le petit pot blanc là que vous voyez ici, c'est vachement bien, tiens je voulais en parler justement. Donc, je profite de le voir dans l'écran là pour vous en parler. En fait c'est du... alors comment il s'appelle le nom je sais plus... Ah oui, Activen. Alors, Activen, moi, je l'utilise tous les jours, alors, le matin et le soir. Je prends 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. C'est pour la circulation dans les jambes, parce que dans la famille, on a des gros problèmes de circulation. Et j'utilise ça, plus le Compex, en fait, pour vraiment activer ma circulation sanguine dans les jambes et enlever la lourdeur. Et franchement, ça marche super bien. Donc, voilà, si vous voulez le petit conseil du jour, le voici. Tiens, les gens me posent la question, mais pourquoi Flo, là tu te laisses aller, la barbe, tout ça, machin. Ouais, je vous explique. Parce qu'en fait, j'ai pris rendez-vous au barbier juste avant de prendre l'avion la semaine prochaine. Donc je laisse tout pousser, tout ça, comme ça je me fais nickel chrome. Voilà, tout simplement. C'est pas que je me laisse aller, c'est que là, justement, faut être bien sur scène. Au niveau du prochain repas, ça sera le prochain repas avant l'entraînement. Voilà, tout simplement. Oui, donc là, pour le petit-déj, je ne vous ai pas précisé. Du coup, j'avais 200 grammes de riz cuit, 10 blancs d'œufs. Et voilà, je sale mon repas. Le prochain repas, ça sera poulet, riz, 200 grammes de riz. Voilà, hein, c'est tout simple, hein, c'est bouffe simple. Bon, aujourd'hui, vu que c'est la recharge, il va y avoir un petit repas en excès. Pourtant, on n'est pas loin de la compète, mais bon, on écoute, comme je dis toujours, je dis à mes élèves, écoutez-moi, écoutez le coach. Et ben moi, je fais pareil, discipline. Donc, vous verrez tout ça tout à l'heure. Au niveau de la condition, on est pas mal, ça commence vraiment... voilà, la peau, là, je n'ai pas à me peigner rien, hein, je suis normal, mais justement, là... La peau est très fine, j'ai toujours eu la peau très fine, même hors saison, mais là c'est plutôt pas mal. Alors quand je vais en vélo, tout ça, cette année, non, je suis vraiment content de ce qui se passe. Bon par contre, j'ai vraiment le visage qui tire, alors quand je vais en vélo, ça va être quelque chose. Ce matin, j'étais au début à 101, puis finalement, j'ai fait mon cardio, tout ça. Et je me suis pesé habillé, donc je me suis pesé à poil après. En fait, j'étais à 100,3 ou 100,4. Donc c'est vraiment royal. Là, j'ai vraiment aucun stress vis-à-vis du poids, tout ça. Tout est nickel, voilà. Il va y avoir le petit coup de blues après la compète, par contre, hein, de se dire « Oh là, ça y est, la prépa est finie. » C'est toujours un peu comme ça, mais bon. Aujourd'hui, ça sera jour du dos. Pourquoi le dos? Parce que justement, c'est prévu normalement ischio, mais vu qu'on fait une grosse recharge aujourd'hui, ben on va se faire une grosse séance de dos assez longue avec pas mal de volume, donc je pense 6 à 7 exercices, voilà, de à peu près 3 séries à chaque fois. J'aime bien en fait réduire le nombre de séries sur les exercices, mais varier les exos pour varier les angles et être le plus complet possible. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je filmerai le repas du pré-training. Et ensuite, évidemment, je filmerai l'entraînement. Allez, à tout à l'heure. Allez, du coup, on se retrouve pour le repas pré-training. Hop, voilà, mon poulet de chez Body Beef. N'oubliez pas, vous avez un code de réduction sur le site qui est de 10% avec Iron Shark 10. Voilà, sur www.bodybeef.com. Et on a avec ça 200 grammes de riz et du ketchup allégé que j'ai mis dans le riz, voilà. Bon, sachant qu'il y a un peu de glucides, hein, même si c'est allégé, mais j'en mets très peu, et en plus de ça, je me permets aujourd'hui, car je suis en recharge, tout simplement. Voilà, donc bah, c'est parti, je mange tout ça, et on se retrouve tout à l'heure à la salle pour aller faire le dos. J'ai une patate d'enfer, ça va être une séance, oh là 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 là, là on va remettez-moi des glucides et attention. Hein. Et j'ai pris une décision hier, je ferai... Ah, elle m'attaque. Je ferai une vidéo à Vegas où je vais me faire une journée complète à minimum 20 000 calories. Ouais, challenge. C'est complètement débile, ça ne sert à rien à part se faire du mal, je sais, mais on n'a qu'une vie et j'ai juste envie de rigoler en faisant cette vidéo pour le faire une fois, voilà. Allez, à tout à l'heure à la salle. Life goes on with or without you, and how you use your time is really important because your life matters. It's not for nothing. It matters for a lot, and it matters to a lot of people. And, you know, we spend so much time giving attention to the silly, stupid, and superficial stuff, and we hardly ever, all of us, me too. You know, I'm very aggressive, very intense about my ideas, my thoughts, my beliefs, my way of doing things. And I do that primarily because it helps me not take shit for myself. It helps me get on board quick and make things happen and do what I need to do. But we all put the things that are really important. We never make those priorities, real priorities. And we take for granted so much that every day we're just going to wake up and we're going to go through the same routines and get to see the same people. They're going to be there when we come home at night, and every day is just going to be like the other. But right now, even as I'm recording this video, there are hundreds, if not thousands, of people all over the world who are just now getting noticed that you know, somebody that they care about or somebody that they knew has their life has been taken by surprise, unexpectedly, by some accident or heart attack or something like that. None of us know how long we're going to be here. So it's a moment to take pause and think about your life and what you do with your time, and to not only make to concentrate on making the best of your life, but to also make your life meaningful in the most important ways. You're asking yourself whether or not you gave the best you had to give. Chances are pretty good, just simply because you're asking yourself that you didn't. And in the gym, that means leaving big, huge puddles of guts all over the damn floor. I'm looking around and I see a lot of little puddles of guts, but I don't see very many big ones. I'll be damned if I'm not going to have to do this workout over again. If you want to be done with something, c'est un secret de do it right the first time. Alors dents. Le plus important, c'est d'en mettre un sur chaque dent. Sur chaque dent? Oui, sinon ça marche pas. Bon, bah j'ai oublié de vous filmer les autres repas encore. Du coup, il y a eu le repas post-training, c'était 300 g de bœuf et 200 g de riz. Et le repas numéro 4, c'était 300 g de poisson et 200 g de riz. Là, je suis au repas numéro 5. Du coup, je vous laisse faire un... Oh, mais où sommes-nous? Allez, go. Du coup, le repas, on a des frites, grandes frites, mais je pense que même mon fils il finit les deux portions et deux petits burgers. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit et le dernier repas avant de se coucher, ça sera juste 50 g d'iso et c'est tout, tout simplement. On dit bon appétit. Bon appétit. Bon, après déjà avoir fait deux frites, trois burgers, on continue. C'est parti. Ah, il y a ça qui attend. De retour à la maison après le fameux burger, frites, glace et tout ce qui va bien. J'ai le bide éclaté. Mais bon, on écoute encore une fois les conseils du coach. Bon, bah là, prochaine étape, cassage de ventre, ça va être Vegas, hein, pas avant, maintenant, ça y est. Donc là, dès demain, on resserre sévèrement la diète. Et forcément, avec ce que je viens de manger là, en serrant la diète derrière, je vais être encore plus sec. Voilà, en gardant un maximum de volume. Donc, c'est vraiment top. Donc voilà, on verra demain ce que ça donne en termes de physique. Et on continue. En tout cas, merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite toujours à vous abonner, à liker, à partager un max, puisque Vegas approche et du coup, les vlogs pour Vegas vont commencer dans pas longtemps pour suivre les aventures. Ça va être vraiment top. C'est l'histoire d'un colon français et d'une Vietnamienne extradée qui partent en voyage aux USA. Yo ying. Ce qui veut dire tu es con en vietnamien. Voilà, je traduis. Je prends les devants parce que voilà, c'est un conflit de continents et de cultures entre nous. Entre choisir si on mange asiate ou américain. Ou cassoulet. Ou cassoulet, oui. Alors oui, aussi pour ceux qui avaient... J'ai passé une annonce sur Instagram concernant du kouign-amann pour les Bretons. J'ai eu un nombre de messages incalculables. Je vais me retrouver avec 20 ou 30 kouign-amann à la maison. Vous êtes géniaux, franchement, vous m'avez fait super rire. Mais je compte sur l'envoi de vos kouign-amann, hein. Je vais les manger. Et également, eh bien, s'il y a des gens de Carcassonne, Castelnaudary, je veux bien aussi du cassoulet fait maison. Oui, c'est mon petit péché mignon. Sachez qu'il y aura de la place pour stocker tout ça, donc vous pouvez m'en envoyer avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, merci encore à tous, et on garde la bonne humeur, on va au bout, on s'éclate, et on vous fera vivre tout ça. Voilà. Vous serez avec nous dans ce voyage. Pas dans tous les moments du voyage, parce que sinon, ce film va être pornographique, je te le dis. Je parlais de la bouffe, bien sûr, attention. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon appétit, un bon cardio, un bon training, bref, ce que vous voulez. Et en tout cas, je compte sur vous pour vous abonner et cliquer sur la petite clochette pour les notifs. Voilà. Allez, à ciao les requins. À ciao, à bientôt.